Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coulomb. Moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de l'ultime effort. Donc dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter différents lieux dits, il faut en visiter 10. Donc je vais vous donner une petite astuce et je vais le faire pour moi-même en même temps. Donc c'est parti. Alors ce que je vous conseille c'est de choper un avion le plus vite possible, comme ça vous allez pouvoir voyager dans toute la map tranquillement et rapidement. Alors je vous affiche une map avec tous les emplacements d'avions possibles de la map de Fortnite et c'est parti, je vais aller chercher un avion plus ou moins par ici, vers la moitié du bus. Parce que bien souvent les gens ils sautent au début du bus ou à la fin du bus, donc moi je vais sauter à la moitié, donc je pense que j'aurai peut-être un peu plus de chances de tomber sur un avion. Ok, donc j'ai un avion ici, par contre il y a quelqu'un qui va essayer de me le choper je crois. Non c'est bon, il me le chope pas, donc c'est parti, on démarre, vite 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 avant qu'il prenne une arme et qu'il me défonce. Nickel. Alors maintenant, tout simplement, vous allez voyager la map. Donc, les lieux dits, qu'est-ce que c'est? C'est Loot Lake, Pleasant Park, Little Hills, John Junction. Partout, il est marqué un nom de ville, c'est un lieu dit. Donc, j'en avais déjà visité un dans une autre partie juste avant. Donc là, je suis à 2 sur 10. Il faut savoir aussi que quand vous aurez fini 13 défis, des défis de l'ultime effort, vous débloquerez le pass de la saison 8 gratuitement. Au début, je crois que c'était 20 défis. Qu'il fallait finir, donc 20, les 20, mais en fait, il faut juste en finir 13. Voilà, ça peut peut-être avoir une information supplémentaire pour vous, hein, je sais pas si vous étiez au courant. Alors, je vais essayer de voler super haut pour voir s'il suffit juste de passer au-dessus. Ouais, franchement, il suffit juste de passer au-dessus, donc n'hésitez pas à aller au plus haut pour être plus en sécurité, pour que les gens aient plus de mal à vous shoot. Donc là, on va voir, je suis vraiment en haut, là. Est-ce que ça va fonctionner sur Junk Junction? On va bientôt voir. Ouais, ça fonctionne. Donc franchement, allez le plus haut possible. Comme ça, vous allez être tranquille dans les airs. Il n'y aura personne qui va vous attaquer, à part un autre avion. Si évidemment, il y a quelqu'un d'autre. Donc là, je suis à 5 sur 10. Je vais aller jusqu'à Lazy Links, Le Bloc, Willing Wook, Tomato et je finirai par Lonely Lodge. Normalement, ce sera bon. Donc ouais, faites attention parce que quand vous montez trop haut, votre moteur d'avion se coupe tout simplement. Ah, donc je vais faire un petit détour par Tomato parce que c'est entre Lazy et Le Bloc, comme ça. Et puis après, je pense que je serai à 7. Ok, donc il y a Willing, Le Bloc. Et puis après, Lonely Lodge. Ok, nickel. Alors, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de rajouter le petit code créateur hein, si vous voulez me soutenir dans la boutique de Fortnite. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Ça me fait extrêmement plaisir, les potos. Vous imaginez même pas à quel point. Et voilà, là, j'arrive au 10e. Voilà, visiter différents Named Location. Donc, c'est validé. Maintenant, je vais tout simplement aller me suicider pour finir et valider le défi. Et finir la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Coulomb Mike et ciao. Peace.